J'aimerais savoir pourquoi j'ai du mal à m'intégrer dans un groupe. Ouais, je C'est-à-dire pleure, l'animation. quand il y a plusieurs personnes, j'ai du mal à parler surtout, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Alors, je me libère des programmes qui me font croire que je dois dire quelque chose. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui me font croire que je dois être d'une certaine façon dans un groupe. Je me libère. Je me libère. La question cachée derrière, c'est pourquoi je n'ose pas être juste ce que je suis? Pourquoi je crois que je dois être un personnage, quelqu'un, un masque, pour exister en groupe, en communauté ou avec quelqu'un d'autre? Tu vois comment ça marche? J'ai l'impression Oui. que ce que je suis n'est pas suffisant et qu'il faut que je fasse certaines choses pour être accueilli, accepté dans le groupe. Donc, dans l'enfance, avant 8 ans, j'ai été éduqué par papa, maman ou les personnes qui m'ont éduqué. Et il fallait que je sois d'une certaine façon. Ouh, je pleure, laisse pleurer. 3. Il fallait ne pas dire, ou alors il ne fallait pas pleurer, ou il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Les parents ont moulé, formé, éduqué, conditionné pour que je sois d'une certaine façon, par exemple, qu'on allait, je sais pas, au magasin, voir des gens, tu vois. Donc, j'ai été formaté à être d'une certaine façon. Avec eux aussi d'ailleurs, tu vois. Oui. Et quand j'ai grandi, dans l'adolescence, dans l'adulte, j'ai gardé les programmes. Donc j'ai le programme principal qui dit, ah, je dois être de telle façon avec telle personne, tu vois. C'est un policier, c'est la pharmacienne, c'est mon boss, c'est mon chéri, comme si j'avais plusieurs vêtements, tu vois. Et à chaque fois, je dois être un vêtement spécial pour obéir et en fonction de ce que l'autre attend de moi. Tu comprends? Oui. La maîtresse, il y a un truc avec l'autorité. Sauf que quand il y a plusieurs personnes, je suis paumé. Parce que comment je fais? Ils sont tous différents, ils attendent tous quelque chose de différent de moi. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends, oui. Du coup, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué. Comment ça se résout? Je sors des masques, je sors des conditionnements et des programmes, de toutes ces facettes-là que la société me demande. Et je jette tout et je suis juste ce que je suis. Voilà. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et on va dire, je me libère des programmes qui me font croire que je dois être différente en fonction des gens. Je me libère. Je me libère. Je suis juste moi maintenant. Je suis juste moi maintenant. Je me libère des programmes qui me font croire que je dois plaire aux autres. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui me font croire que je ne dois pas choquer les autres. Je me libère. Je me libère. Je fais ce que je veux, je suis juste moi. Je fais ce que je veux, je suis juste moi. Avec gentillesse et bienveillance. Avec gentillesse et Ouais, il bienveillance. ne s'agit pas d'agresser les autres et de les dominer. Il s'agit juste d'être soi avec gentillesse et bienveillance. Je suis ce que je suis, j'ai le droit d'exister. On va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent d'exister et d'être juste ce que je suis. Je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes qui me font croire que je ne suis pas suffisante. Je me libère. Je me libère. Ah, laisse pleurer. Comment tu te sens avec tout ça? Ça m'a beaucoup touché, oui. Ouais, tu sens, il y a une émotion. Voilà. Oui. Donc, regarde, par exemple, moi, là, je fais plein d'émissions. Et vous verrez quand vous viendrez en stage, il y en a beaucoup qui vont venir en stage cet été ou en stage online et qui me rencontreront. C'est toujours le même, en fait. C'est pas parce que j'appuie sur le bouton de la caméra que je dois mettre un manteau, un personnage, machin, qui va être d'une certaine façon pour plaire à je sais pas quoi. Non, non, c'est toujours le même. Il n'y en a qu'un. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a plus de programme. Voilà, ça, c'est les 500 cérémonies chamaniques, les 10 ans de méditation. Enfin, il y a tout un travail. Il n'y a plus de programme. Voilà. Il y a peut-être quelques programmes qui traînent quelque part, mais je suis juste ce que je suis. Donc, il n'y a pas peur d'être, en fait. Tu vois? Oui. Vous devez le sentir normalement. Il n'y a pas peur, il n'y a rien qui réfléchit. Je peux en dire des bêtises, hein, parce que je m'en fous. Je suis ce que je suis. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Donc, les 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 20 000 personnes, 8 milliards de personnes, ça ne change rien en fait. Voilà, laissez pleurer. Je suis ce que je suis, ressentez dans le cœur. J'accueille ce que je suis.
J'aime ce que je suis est suffisante et suffisant. Je me libère des programmes qui me font croire que ce que je suis n'est pas bien ou n'est pas suffisant. Je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes qui font croire que je dois plaire à quelqu'un ou à quelque chose. Je me libère. Je me libère. Voilà, laissez pleurer, là ça pleure beaucoup. Une respiration. 1, 2, 3. Donc plus je vais en état modifié de conscience, plus je vais en méditation, plus bah, je comprends que il n'y a que moi, c'est un jeu vidéo, je m'amuse, je joue, je m'aime, je nous aime, et puis tout simplement, tu vois. Comment tu te sens avec tout ça, Alice? Oui, ben ça me touche beaucoup, ça me fait, j'ai le cœur qui bat plus fort. Mmh. Ben voilà, je te fais un gros bisou, Alice. Merci. Merci beaucoup. Donc, ne t'inquiète pas, réécoute ça 21 jours et tu as juste à être toi avec les gens. Et si tu n'as pas envie de parler, tu dis rien. Tu t'en fous. Si ça parle, ça parle en moi. Si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Je m'en fous, ce n'est pas le problème. Tu vois ? Oui, oui. Hein ? Comme bien. Ça va te guérir de toutes les croyances.